Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, la deuxième émission quotidienne de CMC Market qui débute à 15h45. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le lundi 24 octobre. Le titre du jour est troisième essai du S&P 500 à 2150 points. En effet, depuis à peu près 10 séances, l'indice directeur américain évolue entre 2120 points et 2150 points. Les 2150 points ont bloqué ces deux dernières semaines à deux reprises. Nous voilà de nouveau dans cette zone de prix. Nous allons voir ensemble qu'effectivement à 2150-2155 points, eh bien, il y a une zone de résistance de court terme. Est-ce que les indices américains vont se stabiliser sous cette zone de prix en attendant toujours les élections qui s'approchent dans seulement 2 semaines? Ou est-ce qu'au contraire on va réussir à passer en force grâce aux résultats américains? Nous allons voir cela tout de suite dans cette émission. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Comme d'habitude, n'oubliez pas, vous pouvez poser vos questions, demander que je regarde certains actifs, certaines valeurs. Et on le fera dans la deuxième partie de cette émission. Comme pour chaque émission, donc, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme d'habitude, utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, on va voir les derniers mouvements intraday, les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités aux États-Unis, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. Et bien évidemment, je répondrai à vos questions. Alors, en termes de mouvement intraday, le S&P attaque donc de nouveau les 2150 points. On est actuellement à 2152 points. On débute bien la semaine. Est-ce qu'on va réussir à clôturer au-dessus de ce seuil et à accélérer? Ou est-ce qu'au contraire, eh bien, il y a un petit peu d'euphorie en ce lundi et puis on va assister à des prises de bénéfices de fin de séance? Donc on va regarder ensemble cela dans la partie graphique. La zone des 2155-2160 ne sera en effet pas évidente à dépasser. De son côté, le Nasdaq 100 est à 4882 points. Il est seulement à 0,5% de ses plus hauts historiques. Il surperforme donc le Dow Jones et le S&P 500, les valeurs technologiques étant toujours recherchées. Et puis le CAC 40 gagne 0,8% pour commencer ce lundi. Comme je le disais ce matin dans la matinale, les acheteurs gardent la main. Néanmoins, attention à ces 4570-75 points. Ce sont des plus hauts de 6 mois. C'est une résistance. Ce sont les plus hauts du mois de septembre. Si les indices américains arrivent à accélérer de nouveau, eh bien, on arrivera à la dépasser. Mais attention, si la neutralité l'emporte aux USA, eh bien, il faudra rester pragmatique. Des replis restent possibles tout en restant dans une tendance pour le moins haussière. Petit bémol par rapport à la hausse, le pétrole se fait peur sur son support à 50$. Je crois qu'il est à 49,8$ actuellement, en baisse de plus de 1,5%. Attention au pétrole car les spéculations concernant un éventuel gel de la production de certains pays producteurs en fin d'année semblent déjà pricées, semblent déjà dans les cours. Et donc si on a des déceptions à ce niveau-là, eh bien on pourrait avoir un retour de bâton assez violent sur les cours du pétrole. Pour l'instant, c'est une latéralisation, une stabilisation, mais si une accélération baissière prenait forme, il faudrait s'en méfier, ça pourrait peser sur les indices boursiers. L'or retrouve les 1271$, on a pris 9$ entre le plus bas et le plus haut du jour, l'or qui est aidé en séance par un dollar qui respire enfin après une belle série haussière pendant 3 semaines. Et puis le sucre invalide sa sortie de triangle par le bas en le réintégrant. Donc on avait vu une sortie de triangle la semaine dernière. On avait vu qu'il n'y avait pas d'accélération suite à cette sortie de triangle. C'était justement le bémol que j'avais émis. On a réintégré ce triangle et je pense qu'il va falloir revoir la situation du sucre et peut-être considérer cela comme un range. Côté meilleure et moins bonne performance de l'Eurostoxx 50, on note que la plus belle performance est pour Philips aux Pays-Bas. Donc la société a publié ce matin des bons résultats, une hausse de 2% de ses ventes.
Et puis sinon, vous voyez qu'on retrouve Banco Bilbao, Santander, Société Générale, UniCredit. Donc toujours ce secteur bancaire qui est recherché, qui se reprend. BNP par exemple, qui est passé par moins 30% en début d'année, est désormais positive sur l'année 2016. Et c'est grâce à ce beau rebond des bancaires que les marchés ont été si solides ces derniers temps. Et puis dans les baisses, vous pouvez voir qu'il n'y a pratiquement que des titres français, un petit peu lourds, notamment dans le luxe, et puis aussi Essilor qui avait publié des résultats un petit peu décevants en fin de semaine dernière. Vous pouvez noter qu'il n'y a aucune baisse de plus de 0,6%. On est donc bien toujours dans un marché qui a de l'appétit pour le risque. Côté statistiques, ce matin, on a eu les PMI des services et manufacturiers en France et en Allemagne. C'était globalement positif. Et on notera qu'en zone euro, eh bien, les PMI et des services et manufacturiers sont sortis supérieurs aux attentes. Le chiffre du jour, c'est 85,4 milliards de dollars. C'est la somme que va débourser le géant des télécoms AT&T aux USA pour racheter Time Warner, afin peut-être de mettre du contenu ludique à l'intérieur donc de ces programmes. Donc voilà, c'est une tentative de synergie et une énorme opération de près de 100 milliards de dollars. Donc c'est ça qui dope notamment Wall Street ce matin pour les USA. Côté US, toujours, donc AT&T a publié un bénéfice net en hausse de 11,2% au troisième trimestre, malgré une baisse des abonnés. Le chiffre d'affaires, lui, augmente de 4,6% sur la période. Donc AT&T, hein, c'est la société dont je viens de vous parler qui rachète Time Warner. T-Mobile US, donc la branche de T-Mobile Allemagne, a annoncé un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes et a revu sa prévision de nouveaux abonnés pour l'exercice 2016. Le titre était en hausse de 5% pré-ouverture. Et puis Hilton Worldwide Holding voit 25% de son capital passer de Blackstone au conglomérat chinois HNA Group avec une prime de 15% par rapport au dernier cours. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du S&P 500 à la clôture de vendredi, on retrouvait donc Time Warner qui s'est fait acheter par AT&T. On retrouvait aussi Reynolds American, c'est une société de cigarettes en hausse de 14% car BAT voudrait les racheter. Et dans les baisses, on retrouve Moody's Corporation et Southwestern Energy, deux sociétés qui ont publié et qui ont déçu les opérateurs. Dans les figures graphiques, je n'ai pas sélectionné de figure graphique sur une action US ou un indice US aujourd'hui. Je vous ai fait une mise à jour par rapport à ce qu'on avait vu ce matin. Donc ce matin, je vous ai montré ce biseau ascendant sur le FTSE, donc le UK 100, en données 4 heures. Je vous ai expliqué qu'on était resté à l'intérieur de cette figure à la fin de la semaine dernière, mais que ce matin, on était pile poil sur la borne haute, et que, étant donné que les indices européens étaient sous résistance, eh bien peut-être que nous allions avoir une sortie par le bas. En effet, quand on a un biseau ascendant, on a 80% de chances de sortir par le bas de la figure. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. On a un échec sur la borne haute et on a désormais une sortie validée en données 4 heures qui pourrait engendrer des prises de bénéfices. L'objectif théorique de ce biseau, c'est un retracement de 100% de la figure, soit un retour des cours vers les 6950. Ce serait une baisse d'à peu près 0,8% par rapport au cours actuel. On va passer sur la plateforme de CMC Markets et donc le S&P 500, le voici. Le S&P 500, il a tenu toute la semaine dernière bien comme il faut et ce matin, eh bien, il est en hausse. Il est en hausse et il est actuellement à 2154 points. Et ce que je voulais vous montrer, donc justement, c'était le cluster de résistance que le S&P avait juste au-dessus de la tête. En effet, à 2155 points, on a la borne basse du triangle dans lequel étaient les cours
donc dans lequel étaient les cours au mois de septembre jusque début octobre, avant qu'on en sorte par le bas. Vous pouvez voir que la borne basse du triangle, elle a bloqué le mercredi 12 octobre, le vendredi 14 octobre, on s'en est approché le jeudi 20 octobre. Nous voilà de nouveau donc sous cette borne basse ici en bleu à 2155 et juste au-dessus à 2160. Eh bien, on a l'oblique qui passe par tous les plus hauts depuis un mois et demi. Donc voilà, la semaine dernière, on faisait un état des lieux et on avait constaté que le S&P 500 avait bien tenu ses supports, qu'il était solide et qu'il s'était repris vers sa moyenne mobile à 15 séances. On avait vu ensemble qu'il tenait bon et que tant que c'était le cas, eh bien les indices européens pouvaient être solides, voire se reprendre. Concernant les indices américains, il est un petit peu plus compliqué de grimper fortement puisqu'on a les élections le 8 novembre. Donc voilà, permettez-moi d'être pragmatique. On arrive sous cette zone de résistance clé, c'est pour ça que je doute un petit peu d'une très forte accélération haussière et d'une cassure en ligne droite de ces résistances là. Je ne dis pas qu'on ne va pas passer, hein. Cette semaine on a quand même 40% des entreprises du S&P 500 qui vont publier. Jusqu'ici les publications étaient supérieures aux attentes dans leur majorité. Si cela continuait, eh bien on pourrait voir le S&P passer, mais voilà, on est lundi. On est en appréciation, il y a de l'appétit pour le risque en Europe et aux États-Unis, mais malgré tout, eh bien, je vois cette zone de résistance qui pourrait bloquer à court terme. Donc si et seulement si on venait à casser cette zone, à accélérer et à casser les 2160 dans la semaine, eh bien, c'est que les acheteurs montreraient leur puissance et permettraient donc un retour vers les plus hauts historiques, et ce, avant les élections américaines. Mais voilà, si ça ne passe pas, on peut très bien assister à une latéralisation des cours dans les séances à venir. Donc je reste dubitatif pour l'instant sur cette configuration. Sur le Nasdaq 100, on est désormais plus que à quelques points des plus hauts annuels et historiques. Le Nasdaq 100, en données mensuelles, c'est un des indices les plus bullish de la planète depuis 2008. Il est parti des 1000 points, il est actuellement proche des 5000 points, donc pratiquement x5 sur cet indice américain. En données hebdomadaires, donc on voit bien le choc de début d'année, le choc du Brexit et puis derrière des nouveaux records. Donc les valeurs techno toujours très recherchées. Maintenant, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 séances consécutives de hausse pour le Nasdaq. Il est haussier, il pourrait casser ses plus hauts et enregistrer de nouveaux records. Mais peut-être va-t-on assister à des prises de bénéfices, à un petit reflux sous cette résistance avant d'éventuellement la passer. Donc ici aussi, on approche d'un seuil clé. Et même si la tendance de fond pourrait nous permettre de le dépasser à terme, eh bien à très court terme, est-ce qu'on va le dépasser un lundi pour débuter la semaine en ligne droite, ou est-ce qu'au contraire, on va y refluer un petit peu? Je ne serais pas étonné d'un petit reflux. Le Dow Jones, lui, il est stable. Il a bien tenu la zone des 18 000 points. Il a pris appui à proximité des 18 000 points vendredi pour clôturer pratiquement à l'équilibre. Il est toujours bien orienté ce jour, mais il est toujours sous le joug d'une tendance baissière depuis à peu près un mois et demi. Et il est très neutre ici depuis à peu près un mois. Donc là aussi, pragmatisme, prudence, on a tenu les supports, on revient vers des résistances de court terme et ça ne passera pas forcément en ligne droite si facilement que ça. Voilà, ici aussi, je préfère attendre de voir une cassure de résistance, une cassure des plus hauts précédents pour vraiment voir une tendance haussière naître. A contrario, on pourrait très bien rester dans une zone de zigzag, dans une zone de range. Donc voilà, le Dow Jones est neutre et il a tenu les supports, c'est bien. Le S&P a tenu les supports et il revient sous résistance, c'est bien. Le Nasdaq est très bullish et retrouve ses plus hauts annuels et historiques. Mais on est pile poil sous résistance désormais, donc d'ici la fin de la séance, on verra. Si on a des reflux, il ne serait pas étonnant que cela reflue également en Europe. Si au contraire on passe en force et qu'on accélère, eh bien ça aidera les indices européens demain à accélérer au-dessus des résistances. Voici le CAC 40. Donc le CAC 40, je voulais vous montrer une chose que j'ai remarqué tout à l'heure. C'est que lorsqu'on étudie les enveloppes ici en rose, les bandes de Bollinger sur le CAC 40, eh bien on note que ces 6 derniers mois,
À chaque fois que le CAC 40 a voulu accélérer au-dessus de ses bandes de Bollinger, eh bien, il a réussi à clôturer une ou deux fois au-dessus, puis ensuite il a consolidé. Donc vous voyez ici en avril, on a accéléré avant de consolider. Ici en mai, on est monté pendant 2-3 séances au-dessus des bandes de Bollinger, puis on a consolidé. Ici en août, on est monté au-dessus des bandes de Bollinger avant de consolider. Même chose ici en septembre. Donc voilà, je suis prudent. On a clôturé au-dessus des bandes de Bollinger jeudi dernier, vendredi juste en dessous. Aujourd'hui, lundi, on pourrait clôturer au-dessus. Bien sûr, si les indices US accélèrent, que le pétrole se tient bien, que les résultats US sont bons et que tous les indices US retrouvent leur plus haut annuel et historique, bah, l'Europe continuerait. On pourrait se diriger en direction de l'objectif théorique de la sortie du triangle chartiste que l'on a vu ici. Donc, je le rappelle pour ceux qui ne l'auraient pas vu, hein, on était dans un triangle ici. On prend la hauteur du triangle et on le reporte à la cassure. C'est ce qui nous donne un objectif haussier théorique ici dans la zone des 4750 points. La seule chose que j'essaie de vous expliquer, c'est que les marchés ne montent pas toujours en ligne droite. Souvent, quand on arrive sur une résistance, on la travaille, on reflue un petit peu avant d'éventuellement continuer dans le sens de la tendance. Donc le CAC 40 est pile poil sur son niveau, le DAX est également pile poil sur son niveau de résistance des plus hauts du mois d'août. Donc rien à dire, hein, le marché est haussier en données hebdomadaires, en données journalières, en données horaires. On voit bien que les acheteurs ont et gardent la main pour le moment. Maintenant, on est pile poil sur des résistances en Europe et aux États-Unis. Pour moi, à 2154-2155, c'est une zone de résistance clé. Donc à moyen terme, fondamentalement et techniquement, je ne peux être qu'haussier, mais à très court terme, permettez-moi donc la plus grande prudence sous ces niveaux de prix, sous lesquels des consolidations, des respirations pourraient avoir lieu. Je fais d'autant plus attention à cela que nous sommes lundi et que le lundi, quand les marchés démarrent un peu trop vite, trop haut, eh bien l'euphorie est souvent corrigée par un retour vendeur. On va regarder les actions américaines. Donc aux États-Unis, Tesla est toujours dans une zone de neutralité. Amazon, qui s'était fait une petite frayeur, qui était passée sous sa moyenne mobile à 20 séances, est en train d'essayer de la regagner. D'ailleurs, si vous regardez Amazon, vous voyez que plusieurs fois on est passé sous la moyenne mobile à 20 séances. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on essaye de trouver ensemble une moyenne mobile qui cadre mieux les cours. Donc on va mettre une moyenne mobile simple à 10 périodes et puis on va la modifier. On va mettre par exemple 25. C'est pas suffisant. On va les mettre en bleu pour voir un petit peu mieux. On va essayer avec 30. C'est pas encore ça. On va essayer avec 40. Là, ça commence à être pas mal. Vous pouvez voir que en gros, à chaque fois que le but, c'est d'essayer de trouver une moyenne mobile sur laquelle on a pris appui et qui à chaque fois a permis un changement d'état d'esprit. Donc vous voyez ici, on avait pris appui dessus, là aussi. Ensuite, on l'a cassé violemment, on est revenu faire un pullback dessus ici, je trouve ça plutôt propre. Ensuite ici, on était baissier, on est repassé prendre appui dessus. Là, on s'en est approché, on est reparti à la hausse. Là, on s'est fait une petite frayeur, mais c'était pour mieux revenir tester un niveau horizontal. Ici, on s'est accroché dessus plusieurs fois et là, on l'a frôlé. Donc, la moyenne mobile, la 40, alors vous pouvez essayer 38 ou 39 ou 41. Le but, c'est vraiment de trouver une moyenne mobile qui colle au cours, qui fait que tant qu'on est au-dessus, la tendance est haussière, les acheteurs ont la main et si on vient à la casser, eh bien, cela change la donne. Christian m'avait parlé de valeur l'autre jour, on avait parlé de Tetratech Inc. On avait vu que c'était un titre qui était haussier à long terme en données mensuelles, en données hebdomadaires, on avait vu que c'était aussi. En données journalières, donc c'était à peu près ici, vers 37 $, on avait vu que c'était haussier. J'avais juste été prudent sur le fait que bah, vers 40, 41, on avait la borne haute du canal haussier de très long terme. En tous les cas, à court terme, la tendance était haussière, les acheteurs ont la main, et eh bien ils l'ont gardée. On est en hausse de plus de 2% aujourd'hui. On s'est apprécié d'à peu près 6% depuis la dernière fois où on en a parlé. Et cette valeur, en l'absence de signaux baissiers, tout simplement, peut continuer son chemin. Si et seulement si on vient à casser l'oblique haussière ici qui passe par les plus bas, la donne changerait. Apple, c'est plutôt neutre. First Solar, alors First Solar, on en avait parlé la semaine dernière parce qu'elle avait cassé un niveau horizontal de prix ici à 40 $.
Depuis les $40, elle est montée jusqu'à 42,90. Donc elle a gagné à peu près 7%. Puis là, elle consolide un petit peu. On verra si le titre revient sur les $40, s'il valide ce support. Auquel cas, les acheteurs peut-être reprendraient la main. A contrario, il faudrait accélérer au-dessus des plus hauts du jour pour pouvoir vraiment valider de la hausse. Donc on suivra ce titre dans les séances à venir. Un autre titre dont on avait parlé, c'était First Data Corp. On avait vu qu'il était dans un canal haussier. Donc les cours ont continué dans ce canal haussier. On est en train de tenter d'en sortir. Si on arrive à sortir du canal haussier, on pourra aller chercher la borne haute du range dans lequel on est enfermé depuis le mois de janvier. Et si on casse les 14,60, eh bien ça pourrait créer un phénomène d'aspiration vers le haut, puisque ça correspondrait à une cassure de résistance clé. Donc voilà, faut voir si le titre clôture en dehors du canal aujourd'hui. Si on réintègre le canal, au contraire, eh bien ça resterait relativement neutre. eBay gagne 2%, donc eBay là aussi cours d'analyse technique élémentaire. On a vu que eBay, donc jeudi dernier, avait publié des résultats en baisse. Et je vous avais montré qu'il était intéressant de voir que eBay revenait pile poil sur son niveau du mercredi 20 juillet, du jeudi 21 juillet dernier. Donc en gros, le titre eBay avait gapé à la hausse pour des bons résultats, puis s'était apprécié. Et là, on a gapé à la baisse à cause de mauvais résultats. On a tenu le support jeudi, on a tenu le support vendredi, et c'est la raison pour laquelle on a aujourd'hui, lundi, eh bien, les acheteurs qui reprennent la main. Ils reprennent la main parce qu'on a tenu un support clé. Donc voilà, encore un cas d'analyse technique pure venant des États-Unis, où quand on gap à la baisse mais sur un support et que ce support est sauvé, eh bien, les acheteurs peuvent reprendre la main. On avait vu ce cas aussi sur Illumina. Illumina qui avait publié il y a à peu près 10 jours, le titre était revenu sur un support qu'elle avait tenu à de nombreuses reprises depuis un an, et c'est ce qui avait permis au cours de regagner 10%. Et puis sinon, Twitter est toujours recherché. Twitter, donc sur la base des $17, a bien rebondi jusque $18 vendredi. On a eu un gap baissier ce jour, mais les acheteurs se présentent encore. Comme je vous l'expliquais sur Twitter, donc on a une tendance baissière très forte depuis 2 ans. Néanmoins, depuis quelques semaines, on a des spéculations sur un éventuel rachat de la société. Et donc, je continue de surveiller ce titre, car à tout moment, eh bien, s'il y avait une offre de rachat, ça pourrait faire bondir les cours. Côté matières premières maintenant, donc on va voir le sucre. Le sucre qui était dans un triangle dont il s'est extrait par le bas, mais il n'y a pas eu d'accélération. C'était justement le petit bémol que j'avais relevé donc la semaine dernière, en fin de semaine. Donc peut-être mieux vaut-il considérer un range sur les cours du sucre, les cours du sucre qui sont donc toujours en stabilisation. Il n'y a pas eu d'accélération suite à la cassure et donc les acheteurs ont repris la main. Même chose sur le jus d'orange, on avait une petite tendance baissière, mais apparemment les acheteurs en veulent encore. Le jus d'orange était dans une tendance puissante haussière de fond. On a eu une consolidation de 10%. On a recassé la résistance. Le support qui devenait résistance a été repris par les acheteurs et c'est ce qui explique donc l'accélération haussière des cours à court terme. Je n'ai pas grand-chose à vous dire dessus. Concernant le pétrole qui fait de l'équilibre, donc je vous en parlais tout à l'heure, sur la zone des 49, 80, $50, le pétrole est toujours en échec sous ses plus hauts annuels à 51,50. Il y aura les stocks mercredi, bien évidemment. On est pile poil sur le fil du rasoir. Si on vient à casser les $50 en cours de clôture, on pourrait revenir vers les $49. Et si on casse les $49, là, ça commencera à sentir le roussi à court terme. Les vendeurs prendraient ainsi la main. Et il faudrait faire attention car cela pourrait à ce moment-là peser sur les indices boursiers. Et puis pour finir, les graminées. Donc sur les graminées, ça consolide. Ce matin, le maïs et le blé tenaient bon, mais les vendeurs semblent enfoncer le clou. Le blé retombe, le maïs également. Donc à court terme, la neutralité prévaut un petit peu plus. On est en train de casser le rythme haussier que l'on avait mis en place ces dernières semaines. Et à vous dire vrai, après un rebond de pratiquement 20% sur les cours du maïs, eh bien peut-être que le rebond est tout simplement fini. Quant à l'avoine, l'avoine est toujours haussier, toujours en tendance, mais attention, on arrive sous résistance, donc là aussi, si le blé et le maïs baissent,
l'avoine peut-être aura du mal à monter, les 3 graminées étant quand même corrélées. Et puis l'or dont je vous parlais tout à l'heure, bon bah alors, petite réaction baissière à l'ouverture, petite réaction haussière ensuite, c'est toujours très neutre, c'est pas très intéressant l'or en ce moment. L'or avait repris un peu de poil de la bête en séance grâce à la consolidation du dollar, mais peut-être que le dollar s'est repris depuis que j'ai préparé cette émission. Donc l'or est toujours très neutre. Si le dollar connaissait une consolidation franche, on pourrait revoir les 1277, voire remonter vers 1285$. Mais comme je vous le répète depuis plusieurs séances, depuis qu'on a cassé les 1300$, les vendeurs ont pris la main et les risques baissiers sont donc à ne pas négliger. On va d'ailleurs regarder tout de suite ce fameux dollar. Voilà, bah, c'est pas étonnant, le dollar consolidé ce matin et en début d'après-midi, ça a permis à l'or de se reprendre un petit peu, puis vous voyez que le dollar ne lâche rien. On est sur des nouveaux plus hauts mensuels, on est en train de retrouver les plus hauts annuels. Le dollar est toujours recherché car les perspectives de hausse de taux se renforcent pour le mois de décembre. Et en l'absence de signaux baissiers sur le dollar, est bien difficile pour l'or ou encore pour les paires en dollars de se reprendre. C'est pour ça que l'AUD reste sous pression. L'euro-dollar est toujours en tendance baissière et son support est dans la zone des 1,08-1,08-20. Peut-être qu'on pourrait y aller dans les séances à venir si le dollar restait fort. La livre, elle s'accroche, mais tout comme les autres paires, elle est sous pression. Et le NZD, c'est la même chose. Troisième séance de consolidation pour le NZD. Donc voilà, c'est vraiment le dollar la pierre angulaire en ce moment. Et le dollar, il est fort jusqu'à nouvel ordre. Le jour où on fera un chandelier baissier et que le lendemain on cassera un support, on pourra parler de signal éventuel et on aura alors un rebond des paires en dollars. En attendant, trend is your friend, ça veut dire la tendance est votre ami et la tendance sur le dollar, elle est jusqu'à nouvel ordre, toujours haussière. Le CAC reflue un petit peu sous sa résistance, le DAX reflue un petit peu aussi, le S&P est à 2150 points, il a donc perdu 4 points depuis tout à l'heure, 0,20%. La zone de résistance que je vous ai indiquée semble donc parfaitement fonctionner. Et tant qu'on sera sous cette zone de résistance, à court terme, je serai moins haussier. On a eu en effet un beau rebond depuis le support jusqu'à la résistance, mais permettez-moi désormais d'être pragmatique. Les indices européens sont sous résistance, les États-Unis sont sous résistance, le pétrole donne des signes de faiblesse. Il ne serait donc pas étonnant de voir les cours consolidés sous ce seuil et de voir donc des replis s'opérer sur les différents indices. Restons pragmatiques. Quand on sera sur support, si on y retourne, eh bien tant que les supports tiennent, la tendance est haussière. Mais à très court terme, après un beau rallye haussier ces 5-6 dernières séances, que ce soit aux US ou en Europe, il convient d'être désormais prudent, notamment parce que la hausse de ce début de semaine en plus s'est faite un lundi. Dès le début de la semaine, on a touché les résistances et donc les vendeurs pourraient tenter de reprendre la main. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi, une bonne soirée. J'espère que cette émission vous a plu, que mes propos sont clairs. Si vous avez envie qu'on regarde d'autres actifs, d'autres actions, n'hésitez pas à me poser les questions. Sur ce, je vous souhaite à tous donc une bonne fin de journée et j'espère tous vous retrouver dès demain matin à 10h pour la matinale. Au revoir à tous.